l'Afrique, ça s'est passé à Montreuil. C'est-à-dire autour de Paris, parce que c'est une ville, c'est la deuxième ville du Mali. Donc c'est là que j'ai rencontré Mayal. À l'époque, à Paris, il y avait tous les Guinéens, Maliens, Ivoiriens, Sénégalais, Camerounais qui arrivaient avec leurs envies de musique et on apprenait ensemble et on se dirigeait comme ça vers cette, ce qu'on a appelé après la world music. Après ma rencontre avec l'Afrique, ça date de 91 au Bénin, où j'avais vu Mayal là-bas. J'étais parti avec un Camerounais qui s'appelle Michaudine et on était parti jouer là-bas. Et puis après, très rapidement, bah, avec Mayal, nous sommes partis à 94. En Côte d'Ivoire pour une bonne tournée et puis avant ça on avait fait des albums. Trois heures à Casablanca d'attente, donc on arrive fatigué, c'est la nuit, les copains ils viennent nous chercher et puis bah, tout de suite la première impression c'est on va de maquis en maquis et j'entends la musique qu'on joue partout. Donc ça c'est une belle sensation d'arriver et puis de voir que ce que tu fais à Paris qui n'est pas connu, ici c'est vraiment reconnu. Donc ça c'est un grand moment et puis après voilà la rencontre avec tous les gens, tous les fans, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonheur, beaucoup de musique. Voilà, c'est ça mon arrivée à Abidjan. J'ai pas été dérouté, je me sentais, voilà, je prends la chaleur, je prends le contact avec le pays, avec la terre, avec l'air, mais j'ai pas été dérouté. J'étais tellement bien accueilli aussi que t'es pas livré à toi-même quand t'arrives dans un nouveau pays et que t'es tout seul. Bah tu te débrouilles là. J'étais transporté. J'étais comme sur un tapis volant. Tout le monde était là. Tout le monde m'entourait. J'étais vraiment. C'était un très bon contact. Sur Gagnois, c'est là après j'étais dans le village de Mayal, c'est là que les anciens ils m'ont baptisé. Brissi, ils m'ont appelé. Tu es le fil qui tient. Je sais même plus les endroits tellement c'était la même énergie, toujours le stade, le son qui se monte au dernier moment. On jouait devant la sono, donc c'était très fort pour nous, mais c'était bien pour le stade. Donc ouais, tous ces concerts-là, ça s'est passé dans des heures très chaudes, parce qu'on jouait vers 16h, donc c'est très très chaud, mais c'est chaud dans tous les sens du terme, quoi. J'ai tourné avec Salif Keita, avec... Là, je sors de 14 ans de tournée presque non-stop avec Souad Massi, une chanteuse algérienne. J'avais absolument besoin de quelqu'un, d'un grand musicien comme lui, qui a déjà travaillé en plus avec tous ces grands musiciens, le Paco Seri, le Mokhtar Hassamba. C'est un grand enrichissement, quoi. Pour moi, c'est vraiment super. Dans ma relation avec l'Afrique, j'ai une joie profonde. Quand je regarde l'état de l'Afrique, j'ai une grande tristesse, un sentiment d'injustice. Et aussi un sentiment de, pas de honte parce que je me sens pas coupable, mais de j'ai honte, oui, quand en France, par exemple, on n'a pas conscience de ce qui s'est passé en Afrique, de notre ressort, de notre fait, quand on sait, voilà, quand les Français se sont bien partagés l'Afrique de l'Ouest avec les ressources, que ça n'a pas bougé depuis l'époque de Gaulle, que c'est resté toujours pareil, moi je trouve que c'est... On pourrait faire avancer un petit peu plus les choses et puis contribuer à l'essor africain, c'est-à-dire à laisser les ressources africaines profiter avant tout aux Africains et partager après, parce que nous c'est sûr qu'on amène des structures, des outils, des machines, des savoir-faire, mais je voudrais qu'on arrête le temps où on va là-bas pour se servir en oubliant qu'on arrive chez des gens qui ont des droits. Mais j'ai confiance parce que la vie bouillonne et ça prendra du temps peut-être, mais c'est en route, quoi.